Dès ce soir, Demain nous appartient accueille Audrey Roussel, une mère célibataire qui s'installe à 7 avec ses 4 enfants. Découvrez qui est Charlotte Gaccio, son interprète. Le 16 août dernier, Demain nous appartient entamait sa 5e saison. L'occasion pour la quotidienne à succès de TF1 d'opérer une transition avec notamment l'arrivée de nouveaux comédiens. Alors que Xavier Delure, Jennifer Loret, Emmanuel Moir, Alexandre Varga et Victoria Abril sont attendus dans les prochaines semaines, Charlotte Gaccio sera la première de cette longue liste à débarquer dans la série. Dès ce soir, les fidèles du programme feront donc la connaissance d'Audrey Roussel, une mère célibataire de 4 enfants ayant la particularité d'être née de 3 pères différents. La famille, qui vient de quitter la Seine-Saint-Denis, s'installe à 7 pour débuter un nouveau chapitre. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour Audrey puisque le salon qu'il avait recruté a mis la clé sous la porte et que l'appartement qu'elle avait trouvé n'existe pas. Et c'est Charlotte Gaccio qui a été choisie pour interpréter ce personnage à la personnalité bien trempée. Fille de l'auteur Bruno Gaccio et de la comédienne et humoriste Michèle Bernier, Charlotte Gaccio s'est illustrée dans de nombreuses fictions françaises comme Intervention, où elle donne la réplique à Anthony Delon, mais aussi Munch ou bien encore Scène de ménage. La comédienne de 33 ans est également connue pour prêter ses traits au professeur documentaliste Aurélie Schneck dans la série Sam. Côté cinéma, Charlotte Gaccio a joué dans Vénéneuse et sera à l'affiche de Mince Alors 2, La Rechute, un film de Charlotte de Turckheim. Si elle est connue en tant qu'actrice, Charlotte Gaccio a d'autres flèches à son arc puisqu'elle est également mannequin et chanteuse. Pour Fouler le sol c'est toi, Charlotte Gaccio sera par ailleurs accompagnée de ses 4 enfants de fiction. Ainsi, les jumeaux Jack et Lizzie seront incarnés par Dimitri Fouque et Juliette Mabila, vus dans Mixed et Askip. Quant à Jordan, l'aîné de la tribu, il sera campé par Maxime Lélu, un jeune comédien que l'on a pu voir dans Pour Sarah ou encore Tandem. Enfin, Léo, le petit dernier de la fratrie, sera joué par Paco Blanco. En tout cas, l'arrivée de la famille Roussel sous le soleil méditerranéen ne passera pas inaperçue et promet d'apporter avec elle un air de renouveau dans Demain nous appartient. The...